revoir, Patrick. À dimanche prochain. Au revoir, chérie. Bonne journée. Oh, je sais ce qu'on va faire. Ouais, on va aller voir si dans les chiens, elle a pété des choses. Mais j'ai pas. Hé, si on emmenait Elisabeth avec nous, elle va nous laisser y aller. Tu veux bien que j'aille courir, moi aussi? Allez, dis-moi, s'il te plaît. Je viens, moi aussi. Dépêchez-vous, faut qu'on soit les premiers. Vas-y, vite, attendez-moi. T'as qu'à courir, mon bébé. Vas-y, Franck, tiens-le. Attention, je suis dessous. Attends, tu vas voir. Allez, viens te battre. Jay? Ça ne va pas? Si, si. Très bien, les Russell sont là, tu as leur plan? Eh bien, je suis encore dessus. Hé, hey, ils devaient être prêts hier soir. J'ai pris un peu de retard. Oui, eh bien, tu n'as pas le droit de prendre du retard. Donc, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne vais pas très bien. Je continue à faire ces rêves bizarres. D'accord, je leur dirai qu'il te faut plus de temps, hein? Oh, j'ai oublié de passer te prendre. Alors, comment es-tu rentré? Brian m'a ramené. Pourquoi tu n'as pas appelé le bureau? Écoute, je peux rentrer tout seul. Il n'y a aucun problème, Madame Cole. Vous cherchez d'autres universités? Ouais. Où sont-elles? En Californie. Je croyais que tu avais opté pour Strasbourg. Non, c'est ce que tu voulais. Parce que c'est une excellente université, qu'elle est située dans la vallée. J'ignore pourquoi tu préfères... Je ne veux pas rester ici, dans la vallée, maman. D'accord? Le frère de Brian se débarrasse de sa bagnole. J'ai envie de lui acheter. De quelle année est-elle? De 91. Mm-hmm. C'est $1,200 et elle a 135 000 au compteur. Elle est vieille. Vous aviez dit qu'avec mes économies, je pourrais en acheter une. Elle a 135 000 kilomètres. Ben, heureusement que dans un an, je m'en vais d'ici. Ouais, allez, je dois rentrer. D'accord. Au revoir, Madame Cole. Au revoir, Brian. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ce sont ces rêves bizarres? Depuis des semaines, je rêve toutes les nuits. Et aujourd'hui, c'est arrivé pendant que je travaillais. Je ne trouve pas ça très normal de rêver pendant la journée. Mais si, ça l'est. Je le fais tous les jours, pendant les cours de maths. Ce sont mes économies, maman. Je veux acheter cette voiture. On a essayé pendant des années. J'ai vu des tas de médecins.
pensais que ça n'arriverait plus. Moi non plus. Et de combien t'es enceinte? 6 semaines. Tu sais que j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais on avait dit qu'on en voulait un autre. Oui, quand Kevin avait 3 ans. Ça aura pris un peu plus de temps. C'est tout ce que tu trouves à dire, ça aura pris un peu plus de temps. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Ça ne faisait pas partie de nos plans. Eh bien, on va en changer, c'est tout. Notre vie va changer. Je sais, maintenant l'essentiel, c'est de ne pas te faire de soucis. Tu n'as pas peur de cette nouvelle paternité? Écoute, la seule chose qui m'effraie un peu, c'est l'affaire qu'on a mise en route. Nous avons passé ces 20 dernières années à nous préparer pour ça. Et nous avons 8 mois pour que ça marche. Et si nous n'y arrivons pas, j'ignore ce que je vais faire à propos de l'entrée de Kevin à la fac ou du nouveau bébé ou quoi que ce soit. Bonne nuit, mon cœur. Shilling aujourd'hui. Regarde, j'ai travaillé 1 heure de plus. C'est pour ça que je suis en retard. Ça fait 2 pence de plus. Et je veux que tu gardes cet argent et que tu le caches. Ne le laisse pas te le prendre, moi. Non, Sonny, tu as travaillé dur pour le gagner, il est à toi. C'est pour toi que je l'ai fait. Très bien, Sonny. Me ressemblait. Ça paraît complètement fou, tu ne trouves pas, maman? C'est normal quand on est enceinte d'avoir quelquefois de drôles d'idées. J'ai vu ceci dans un rêve. C'est une église. Je pense que c'est en Irlande. Tu rêvais souvent de l'Irlande quand tu étais jeune. Tu n'arrêtais pas d'en parler. Ça rendait ton père enragé. C'était comme ta famille. Les rêves ont disparu quand ils entraient à l'école. Ce sont les plans de ton village en Irlande. Tu en dessinais sans arrêt. J'ignore pourquoi je ne les ai pas achetés. Tiens, tu as fait celui-là quand tu avais environ 6 ans. Ryan va arriver, il va m'apporter les papiers. Où est papa? Il avait dit qu'il serait là. Il ne viendra pas, il doit vérifier le contrat des Howell. Ah. Elle est chouette, hein? Bon, j'ai les 1200 dollars, mais j'aurais peut-être besoin de vous emprunter un peu d'argent pour acheter des pièces détachées. Environ 400 dollars. Kevin, je suis désolée, mais tu ne pourras pas nous emprunter d'argent pendant un certain temps. Ah.
Bon, je vais me débrouiller. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Je vais avoir un bébé. Quoi ? Ah oui, je suis enceinte. C'est pas vrai. Ah si, j'ai appris il y a quelques jours. Tu vas devenir le grand frère. Ouais, je vois. Hé, hey, Kevin, voilà les papiers. Ouais, on verra bien. Tu as tout ? J'ai tout. Tiens. Super. C'est l'acte de vente. Il faut que tu le signes et il est à toi. Dépêche-toi un peu, Sonny. Allez, plus vite, tu traînes. Allez, file voir si t'as pris quelque chose. Et en vitesse! Quelque chose ou non? Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux, hein? Qu'est-ce que je fais, dis-moi? Je ne sais pas, le collègue, à toi. Alors c'est ton lapin. C'est à toi seul de décider. C'est à toi seul de décider. Passer la journée. Vas-y, lapin, va-t'en. Sauve-toi, sauve-toi vite. Je dis à personne, non. À personne. Je te le promets. Ça suffit maintenant, il est tard. Allez, on rentre. Et surtout pas à lui. Faut rien lui dire. Non, ce n'est jamais. Le docteur Wickman dit qu'une grossesse à 42 ans est plus difficile qu'à 24. Mais il me trouve en forme et je ne devrais pas avoir de problème. Vous devez être ravis tous les deux. Oui. Bien sûr. Maman m'a dit que vous n'avez pas d'argent pour me payer mes bougies neuves. Ça veut dire que pour la Californie, c'est fichu aussi, c'est ça? Exact. Génial. Ce gosse n'est pas encore né et il me gâche déjà la vie. Ne dis pas ça, Kevin. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ça l'est pour moi. Et ça suffit. Merci. Est-ce que tu as parlé de tes rêves au docteur Wickman? Oui, il dit que c'est normal de faire ce genre de rêve pour une femme enceinte. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Voyons, Jane, tu prends tout ça beaucoup trop à cœur. Kevin, tu vas très bien, ce ne sont que des rêves. Pour moi, c'est plus que ça. Mais qu'est-ce que tu vois exactement? Qu'est-ce que c'est, hein? Ce sont toujours les mêmes. Cette famille en Irlande... C'est vrai, je n'ai jamais mis les pieds en Irlande. Où ça, en Irlande? Mais nulle part, voilà où c'est. Voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Une question de géographie, un point, c'est tout, Doug. Très drôle, Maggie, vraiment. Rendez-moi service, s'il vous plaît. N'encouragez pas son délire. Tu as bien une petite idée? Non, pas la moindre, maman. Oh, moi j'en ai une. J'ai un pendule quelque part au grenier, Maggie. Vous voulez que je vous le prête? Enfin, tout ça, c'est d'un ridicule. Oui.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Jenny Cole. J'ai passé une commande, on m'a dit qu'elle était arrivée. Ah. Je vais voir, veuillez m'attendre. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a 4 enfants. Sonny est l'aîné et il a 12 ou 13 ans. Je sens qu'elle les aime énormément. Mais il se passe des choses anormales. Des choses graves. Je sais que c'est dingue. Ce n'est pas dingue. Si, ça l'est. Je l'ai trouvé. C'est un plan précis de... du village de Malahide et de ses environs. Regarde. Voilà le village. C'est la même chose. La rue. L'église. Et là, c'est la gare. Les rues sont les mêmes sur les deux plans. Vous voyez, celle-là, c'est South Road. C'est sûr, c'est Malahide. C'est vous qui avez dessiné ça? Et vous ne saviez pas que c'était Malahide? Non. Bonjour, vous avez le dernier livre? Excusez-moi. Je cherche le dernier livre de Carole. C'est réel. Oui. Si Malahide existe, qui sont ces personnes qui m'obsèdent? Elles existent aussi. Je t'ai acheté ce livre. Il a été écrit par le docteur Christopher Garrison. Il enseigne la théologie à l'université de Pennsylvanie. Et c'est aussi un hypnothérapeute. Ça parle de réincarnation. Non, maman. Tu ne connais pas l'Irlande. Tu as dessiné ces endroits quand tu étais enfant. Et ensuite, à l'âge adulte. Dans son livre, Garrison dit que personne ne fait ce genre de rêve. Il dit que ce sont des souvenirs. Des souvenirs, c'est impossible. Je n'ai pas dit que j'y croyais, mais ça... ça pourrait peut-être t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Je t'appelle plus tard. Au revoir, maman. Au revoir. Où est passé l'argent ? Où tu l'as fourré ? Bon ! Je sais que vous avez de l'argent. Donne-le-moi, sale petit vaurien. Ça suffit maintenant, les voisins entendent. Et alors, ça m'est égal que tout le village entende, compris ? Je t'en prie, il est encore petit. La fin ! Oh ! Laisse-la tranquille ! C'est toi qui l'as. Dépêche. Donne-le-moi. Allez, dépêche. Donne-moi cet argent. Donne-moi cet argent. Ça va aller, maman. Oui, je vous confirme ça, s'il vous plaît. Jane, félicitations. Merci. Oh, on ira faire notre shopping toutes les deux. J'ai vu une merveilleuse boutique. C'est fou, tout est en solde. C'est parfait. D'accord, au revoir.
On avait une réunion il y a environ une heure. Sam Cazet, tu te souviens de lui? C'est un promoteur. Il a construit 5 maisons sur River Road. Il nous a demandé de travailler pour lui. Ça te revient maintenant? Je suis désolée. Je t'ai appelé. Où étais-tu? Je n'y arriverai pas tout seul. Nous avons besoin de toi. Il nous faut cette commande. Doug, je voudrais aller voir quelqu'un. Gary! La livraison du matériel pourra partir pour le 4. Ça ne pose pas de problème. Il s'appelle Christopher Garrison, il est hypnothérapeute. T'as pris les mesures du petit placard? Ouais, c'est fait. Il utilise l'hypnose pour traiter l'anxiété, la confusion et les émotions Wickman de toutes sortes. Dit que tout va bien, alors arrête de te faire du souci pour ses pas rêves. Pas des rêves, des souvenirs. Quoi? Dans ce bouquin, Garrison dit que ce sont peut-être des souvenirs d'une vie passée, un phénomène de réincarnation. Si on discutait de ça dans le bureau. Il a passé un doctorat en théologie et un autre en psychologie clinique. Et il croit à la réincarnation. Donc toutes les personnes de ce bouquin se rappellent très bien... Toutes les personnes de ce bouquin sont timbrées. Je suis peut-être la femme d'Irlande. La mère de cette famille. Écoute, je crois que ça suffit, Jane. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je n'ai pas l'intention de t'obliger à y croire. Je te demande simplement de me soutenir et de comprendre que j'ai besoin de faire ça. En général, tu es la personne la plus fiable au monde. Que lorsque nous sortions, tu étais toujours prête et tu n'attendais que moi. C'est ce que tu as toujours cru. Ils vivent dans une maison sur Salt Road. J'ai vu la famille. Je l'ai vue dans un de mes rêves. Et tiens-toi bien, il y a une Sword Road à Malahide. Comment aurais-je pu savoir ça, Doug? Je n'en sais rien du tout. Mais la réincarnation. Je suis désolé, mais je trouve ça absurde. Nous avons mis sur pied un projet important. Si tu dois aller voir ce gars pour te sentir un peu mieux, alors d'accord. Tu y vas. Je ferais bien d'aller travailler. Suzanne, où as-tu mis la commande? Je l'avais posée là. Je l'ai remise dans le dossier, je croyais que tu avais terminé. Quand j'aurai besoin que tu ranges mes papiers, je te le dirai. Vous allez commencer par vous détendre. Vous avez lu mon livre, alors vous savez comment je travaille. Je vais donc filmer chaque séance et ensuite nous pourrons la regarder et l'analyser. Parfois, le patient nous révèle un petit détail qui paraît insignifiant à ses yeux, mais c'est souvent cet infime petit détail que l'on peut vérifier. Maintenant, Madame Cole, on va découvrir tous les deux ce que vous voyez, ce que vous ressentez, et ensuite nous essaierons de nous faire une opinion et de savoir si cela vient de votre mémoire ou non. On peut y aller? Je vais compter à l'envers, de 5 à 1. Quand nous arriverons à 1, vous n'entendrez plus que ma voix. 5, vous vous enfoncez. 4, c'est très bien. 3, toujours plus profond. 2, on y est presque. Nous sommes repartis en Irlande. Repartis à l'époque de cette vie à Malahide. Tout va bien, Jenny. Vous n'avez rien à craindre.
Êtes-vous à Malahide? Oui. Êtes-vous seul? Non. Qui est avec vous? Deux des enfants. Est-ce que tout va bien? Non. Non. Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Attends, maman, je vais t'aider. Bridget, comment allez-vous? Mary? Oh mon Dieu! Mary, qu'est-ce qui ne va pas? Maman! Elisabeth, vite, pousse-toi! Je ne peux plus respirer. Monsieur Müller, auriez-vous un peu d'eau, s'il vous plaît? Je sens que c'est un petit gars. Il ne me laisse jamais tranquille. Madame O'Neill. Oh, merci. Tu vas mieux? 5, 4, 3, 2, 1. Elle s'appelle Mary. Elle est enceinte, elle aussi. J'aimerais que nous fassions une série de séances, si toutefois, bien sûr, vous avez encore envie de continuer. Je pense réellement qu'il y a matière à explorer. Je peux vous proposer mardi prochain. Mary O'Neill. Quand on va dans un autre état, les cours sont plus chers, non? Toutes les facs où Kevin a choisi d'aller offrent différents types d'aides financières ou de prêts. Oui, je n'en doute pas, mais nous n'avons pas la possibilité d'en demander un pour l'instant. Alors vous pouvez aussi différer les paiements. Ça n'ira pas non plus, je le crains. Bien. Kevin a des notes suffisantes pour avoir droit à une bourse. Nous pourrions nous renseigner, si vous le voulez. Oui, ça paraît bien. Bien sûr que c'est bien. Oui, mais il vivra comment? Et s'il veut revenir un jour à la maison, il n'en aura pas les moyens. Certaines de ces bourses en tiennent compte. Elles sont prévues pour faire face à ces dépenses et nous n'aurons qu'à spécifier tout ça. Je pense qu'on devrait d'abord voir les universités de notre région. Je ne veux pas rester dans notre région. Je veux aller en Californie. Je trouverai un petit boulot. Je suis prêt à payer pour tous les frais moi-même s'il le faut. Madame Cole, je comprends votre appréhension. Mais vous ne croyez pas que là, c'est à Kevin d'en décider? Et à mon avis, étudier sur la côte ouest est ce qu'il y a de mieux pour lui. Est-ce que le docteur est auprès de vous? Oui, oui. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour vous? Non. Non. C'est bien, Mary. Poussez encore. Poussez fort. Ça y est, je l'ai. C'est un petit gars. Un beau gars. Il est tout bleu. Mais bon sang, il est tout bleu. Je suis vraiment désolé. C'est fini. C'est fini.
ne survivra pas à une autre grossesse. Vous savez ce que ça veut dire. Ne lui faites plus d'enfants, John. Vous avez une belle famille. 4 enfants en bonne santé. Vous devriez remercier le ciel, vous savez. Des émotions que vous ressentez comme si c'était vous qui étiez à la place de cette femme. Tout cela me porte à croire que cette jeune Irlandaise a vraiment existé. Vous pouvez peut-être trouver qui elle était, à quelle époque elle a vécu, et en quoi votre vie est-elle reliée à sa vie. Ce ne sont pas des rêves, Jenny, ce sont vos souvenirs. C'est dans votre mémoire. Mes bras, puis j'ai compris qu'il était mort. J'ai ressenti cette douleur dans mon cœur. Comme si c'était mon enfant. Calme-toi, ma chérie. C'était mon enfant. C'était ma vie. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je me renseigne sur l'Irlande. J'essaie de trouver où Mary vivait. Qui c'est? C'est sa petite fille, Elisabeth. Ta grand-mère dit que quand j'étais petite, j'appelais toutes mes poupées Elisabeth. Elle jure que c'est la vérité. C'est vraiment bizarre. Et tu crois vraiment que tu t'es réincarnée? C'est un point de vue que je ne peux pas ignorer, mais... Mais de là à dire que je comprends... Ouais. J'y comprends rien du tout, moi non plus. Tu étais si jeune, comment tu as pu dessiner tous ces trucs? Au fait, est-ce que papa va rentrer tôt? Il doit regarder ma bagnole. Non, il faut que je m'en aille. Je suis en retard pour la réunion avec Sam Cazet. Ton père va être furieux. Au revoir. Au revoir. C'est vous qui avez tout refait à Fairview. Mm-hmm. C'est ce que je voudrais ici. Très bien, pas de problème. Mais je veux un style plus dépouillé, surtout pour celle-ci. Cet ensemble est plus moderne. Jenny va vous faire des plans, vous verrez, vous serez satisfait. Parfait. Bien, on va voir plus loin. D'accord. Alors, Doug, comment vont les affaires? Ça démarre bien. C'est
une bonne idée d'avoir monté cette entreprise. Fallait que ça se fasse un jour. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a du boulot en ce moment. J'ai déjà 4 contrats pour le mois prochain. Est-ce qu'elle va bien? C'est le 17 janvier 1932. C'est bien, Geoffrey. Ça suffit, Franck. Tu vas tout abîmer avant que j'ai fini. Non, c'est faux. Si, maman a raison. Tu fais tout le temps ça. T'es vraiment trop bête. Non, j'ai rien fait. Si, il est vraiment fou. Pourquoi tu fais ça? Je fais quoi? Viens, Franck, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une nouvelle veste à Franck. Tu finiras ça plus tard. Suis-moi dans notre chambre. C'est non, John. Tu finiras tout à l'heure. Tu poses ton aiguille et tu viens avec moi. Non, John, j'ai dit non. J'ai dit tu viens avec moi. J'ai dit non. Tu fais ce que je te dis. Laisse ma mère tranquille. Non, non, Sonny. Ouais, vas-y, tue-moi! Non, ne lui fais pas de mal, si je lui la paix! Non, John! Non, John, je t'en supplie, pas devant les enfants, non! T'as qu'à faire ce que je te dis! Non, pitié! Allez, viens par là! Non! Mets-toi sur le lit! John, non! Ça suffit, Mary, obéis-moi! Tu en veux une autre? Tu vas la fermer, Lee! Allez, Mary! Jenny, ça ne va pas? Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini! Qu'est-ce qui n'est pas fini? Qu'est-ce qui n'est pas encore fini? Il savait qu'il ne lui fallait plus d'enfants. Elle va mourir. Elle va pas mourir. Personne ne va mourir. Écoute, elle n'est pas réelle. Tous ces gens non plus. Et s'il avait été, ils sont morts aujourd'hui. Non. Non, ils sont peut-être encore en vie. De quoi est-ce que tu veux parler? J'ai entendu Geoffrey le dire. C'était en 1932. C'était des enfants. Ils sont peut-être encore en vie. Voilà, merci. Allô? Oh oui, bonjour. Merci, merci de m'avoir rappelé. Non, 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 c'est le bon moment. Je vais chercher mes notes. Qui est-ce? C'est le prêtre de Saint-Joseph, l'église de Malahide. Oui, oui, Père Kelly. Voilà, je voudrais retrouver une famille qui vivait à Malahide dans les années 30. Ils s'appelaient O'Neill. Les parents étaient John et Mary, et je pense qu'ils avaient 4 enfants. Oui, oui, je sais, mais il paraît qu'en Irlande, les églises gardent des archives concernant les habitants. J'espérais que vous pourriez trouver des actes de naissance, des certificats de mariage ou de décès. Enfin, un document pour m'éclairer un petit peu. Il est 3 heures du matin. Voudriez-vous vérifier et m'envoyer un email de ce que vous aurez trouvé? Jenny. Oh, vous n'avez pas d'email. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire? Non, non, mais je comprends, mon père. Merci, merci infiniment. Le facteur est passé. Qu'est-ce que c'est? J'ai envoyé 14 lettres à des familles qui s'appellent O'Neill, à Malahide et aux environs. Aucune d'entre elles n'a entendu parler de Mary. Est-ce que tu leur as parlé de tes rêves? Non. Mais je leur ai dit l'importance que ça avait pour moi. Dis, maman, en fin de compte, tu es Jenny ou tu es Mary?
Eh bien, je crois que Mary et moi sommes une seule et même âme réincarnée. Que j'étais Mary alors et que je suis Jenny maintenant. Comment est-elle morte ? Je ne sais pas encore. Mais je vais bientôt être au courant. Pourquoi ? Mes rêves se précisent. Les âmes qui se réincarnent très tôt après le décès sentent qu'elles doivent revenir pour terminer un travail précis. Je sais qu'il y a un rapport avec les enfants, mais j'ignore encore lequel. Cette chanson. Vous la chantez merveilleusement. Et moi, je l'aime aussi. Ouais, on le sait, c'est pour ça que t'arrêtes pas de la chanter. Hé, attendez. Attendez-moi. Maman, tu devrais être à la maison, bien au chaud, t'as besoin de repos. Non, je veux être avec mes enfants. C'est pour bientôt, tu sais. Oui. T'as déjà choisi le nom du bébé ? Grégory, si c'est un petit gars. Et Phyllis, si c'est une fille. J'aimerais bien une autre petite sœur. Je vais voir ce que je peux faire. Sunny. Si quelque chose devait m'arriver... Non, il t'arrivera rien. Sunny, tu veilleras sur tes frères et sœurs. Non, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Tu es l'aînée. Alors promets-moi de prendre bien soin d'eux et de rester toujours ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai pris une casserole brûlante, j'avais la tête ailleurs, j'ai pas fait attention. Tu vas bien? Maman, elle savait qu'elle allait mourir. Qu'elle allait laisser les enfants avec cet animal. Elle a même fait promettre à Sunny de prendre soin de ses frères après son départ. J'ai téléphoné, envoyé des lettres sans rien trouver, je ne sais même pas s'ils vont bien. Oh, je suis désolée. Bonjour, maman. Tu te veux passer ce matin? J'ai là 3 billets d'avion. Je veux que vous alliez en Irlande. Tous les 3. Quoi? Il faut en finir avec ça, non seulement pour toi, mais aussi pour Doug et Kevin. Ils ont besoin de toi, Jen. Tu as raison, maman. Je vis dans le passé. Je ne suis pas avec eux. Tu vas avoir un enfant, Jen. Il faut réagir. Découvre ce qui a pu arriver à Mary et à ses enfants. Si tu veux reprendre le cours de ta vie. Oh, maman. Merci.
Comment payer l'hôtel, la nourriture? Il faut louer une voiture. C'est pas un problème. T'attends un bébé, non? C'est pas le moment de visiter l'Irlande. Le docteur Wickman dit qu'il n'y a aucune contre-indication. Et notre boulot? Eh ben, Suzanne tiendra le magasin, Gary fera ton boulot. Écoute, Doug, il faut y aller. Non, Jen, absolument pas. Ici, j'ai déjà tout tenté. Tu crois que tu feras plus là-bas? Je veux y aller. Bien, alors tu iras seule. Je viens. Bon sang, vous avez tous perdu la tête? Écoute, tu es Jenny Cole. Tu n'es pas Mary O'Neill. Lui, c'est Kevin. C'est lui ton fils, pas Sonny, ni Frank, ni personne d'autre. Moi, je ne crois qu'en cette famille, qu'en cette vie. Ça, c'est réel pour moi. Je ne crois pas en cette idée de réincarnation. Donc, tu ne crois pas en moi non plus? De savoir où est l'hôtel? Je pense qu'on n'est pas loin. Oh, 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 maman! Faites attention, regardez où vous allez! Désolé! Désolé. Allez, vas-y. Là. Qu'est-ce qui est toujours là? La boucherie de Mary. Vous venez regarder la télé chez moi? Maman! Où tu veux aller? On n'a pas encore trouvé où était l'hôtel. Elle a amené les enfants ici. Bonjour, je suis le père Kelly. Je peux vous aider? Oui, mon père. Je suis Jenny Cole. Je viens d'Amérique et voici mon fils, Kevin. C'est moi qui ai téléphoné. Oui, oui, madame Cole. Ravi de vous rencontrer. Ça va, Kevin? Oui. Vous êtes venu pour voir nos vieux dossiers? Si ça ne vous ennuie pas. Je vous emmène à la maison. Les dossiers sont rangés là. Ces O'Neill sont de votre famille? Non, pas tout à fait. Ça va, vous avancez? Vous n'avez rien trouvé? Non. Je suis désolé. Moi aussi. Avez-vous appelé l'état civil à Dublin? Ils ont peut-être quelque chose. J'ai essayé, mais il n'y a rien chez eux non plus. Êtes-vous sûr que cette famille vivait dans Swords Road? Oui. Malahide est un petit village. Il doit bien y avoir quelqu'un qui les a connus. Ça devrait être là, au coin de cette rue. Est-ce qu'un détail te rappelle quelque chose? C'est là, c'est Salt Road.
pense que le cottage était par là. Tu en es sûr? Enfin, du moins dans les environs. Ça fait plus de 60 ans, maman. Ils ont dû le démolir. Ça, c'est tout neuf. Excusez-moi. Je m'appelle Jenny Cole. J'aimerais avoir des renseignements sur une famille qui vivait dans cette rue. Bonjour. Excusez-moi, madame. Voilà, je suis à la recherche de... D'une... Excusez-moi. Je m'appelle Jenny Cole. Non. Désolée. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Non, je n'en sais rien. Désolée. Vous n'en avez pas entendu parler. Merci. Excusez-moi. J'aimerais savoir si une famille au Nil... Excusez-moi, monsieur. Ma mère et moi... Merci beaucoup. Non. Très bien. Tant pis, merci. Y'a pas de quoi. Merci quand même. Personne n'en a entendu parler. Oui, mais on est là depuis avant-hier, on n'a pas encore vu tout le monde. J'ai l'impression qu'on les a tous vus. Suis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne bouge surtout pas. Où tu vas? Bonjour, je suis Jenny Cole. Ah, vous êtes américaine, hein? Oui. On les reconnaît à l'accent. Oui, je suis installée à l'hôtel Dunleavy. Vous vivez ici, à Malahide? Oui. Ah, vous pouvez peut-être m'aider? Oui, ça dépend de ce que vous voulez savoir. Je cherche une famille, les O'Neill, John et Mary. Ils vivaient dans Sword Road dans les années 30 et ils avaient 4 enfants, Sonny, Geoffrey, Frank et Elizabeth. Non, navré, je ne connais pas. Moi, je suis arrivé à Malahide qu'en 1952. Je vivais au nord à Killyberg dans le Donegal avant ça. Ah, merci quand même. Où on va maintenant? À Sword Road. Je veux revoir l'endroit. L'emmener à l'hôpital. Je vous aime tous, de toutes mes forces. Et surtout, souvenez-vous, où que vous soyez, je serai près de vous toujours. Maman! Maman! Maman, hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Je l'ai même pas vu. Très bien, tu restes là, d'accord? Je vais aller voir. Hé! Hey. Désolé, Seigneur. Je suis désolé, elle n'a pas vu que vous arrêtiez. Je suis vraiment désolé, monsieur. Écoutez, c'est une voiture de location. Ne vous inquiétez pas, on est assuré par l'agence qui nous... Vous allez bien? Je vais chercher les papiers dans la boîte à gants. Il faut les trouver, aidez-moi. Je vous donnerai l'adresse de notre hôtel. Ça vous va? Allô? Salut papa, c'est Kevin. Kev, quoi de neuf? Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, on a eu un accident. C'est maman qui conduisait. Elle va bien? Et toi, tu vas bien? Oui, oui, tout baigne. Tu veux savoir ce qui est arrivé? Oui, dis-moi. On arrivait à un stop et elle s'est pas arrêtée. Elle était complètement ailleurs, comme l'autre fois chez Brian, mais encore pire. Et elle est où? Elle est repartie à l'hôtel juste après. Elle avait besoin de se reposer.
Vous avez trouvé? Non, pas encore. Vous n'avez rien trouvé du tout? Non. Kevin, vous sautez dans le premier avion et vous revenez. Papa, non! Comment ça, non? Mais papa, j'ai vu l'église! Quelle église? Celle de Malahide, l'église de Mary, voyons, tu sais. C'est exactement celle que dessinait maman. Kevin... Elle n'aurait pas pu la dessiner. Et si elle ne l'avait pas déjà vue? Je te jure, c'est dingue! Je sais que ça te paraît insensé. Mais tu devrais venir, elle a besoin de toi. Oh, je m'étais endormie. Oui, je sais. Tu vas mieux? Oui. Mais c'est toi qui conduis à partir d'aujourd'hui. Je pense que ton père avait raison. Non. Où allons-nous maintenant? Reprenons à partir de Source Road. Bon, c'est une perte de temps. On n'a qu'à appeler tous les O'Neill du Botin entre ici et Dublin. On a déjà fait ça. On va repasser à l'église et revoir tous les dossiers. Kevin, il n'y a aucune trace de Mary O'Neill dans Source Road à Malahide. Je ne sais plus où chercher. Bon, je vais aller faire un tour. Bouge pas, je reviens. D'accord. McSweeney. Vous m'avez rencontré ce matin. Oh. Je m'inquiétais pour vous après l'accident, ça va bien? Oui, oui, je vais bien. J'ai appelé un ami après votre départ. Oh, désolé, c'est Thomas Slade. Je suis ravi de vous rencontrer. Ah. Thomas a grandi dans le Swords Road, juste à côté de la famille aux quatre enfants. Mmh. J'ai connu Sonny. Tout le coin, là, c'était très marécageux. Et il y avait un petit ruisseau qui passait sous le pont un peu plus loin. Mais c'est tout sec, maintenant, comme votre serviteur. Mais dans le temps, toutes les familles du coin venaient là pour chercher de l'eau. Et où est-ce que vous habitiez? Juste près du ruisseau. Combien de familles vivaient là? Une vingtaine en tout. Il y avait un petit groupe de cottages. Avancez, c'est par là, tout droit. Et faites attention, il y a des branches. Voilà, on y est presque. Et c'est là qu'il vivait. Attendez-moi! Elle ne supportera pas une autre grossesse. Elle n'y survivrait pas. John, je t'ai dit non. Fais ce que je te dis! Et laisse ma mère tranquille! Sonny, non! Non, Sonny! Où que vous soyez, je serai près de vous, toujours. N'oublie pas ta promesse.
Où sont-ils allés après la mort de Mary? Je ne l'ai jamais su. Vous êtes sûr qu'ils vivaient ici? Oui, juste ici, les Sutton. Et là, les deux filles, ensuite les Brennan. Vous avez là... dit Sutton? C'était Mary Sutton? C'était pas O'Neill? Ah, non, 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 non. Sutton. John et Mary Sutton. Voilà, tu l'as trouvée. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Terriblement. Monsieur Leyden dit que tous les enfants ont été baptisés ici, alors on doit en trouver une trace. Maintenant que vous avez le bon nom, le bureau de l'état civil va pouvoir les retrouver. Suis-moi, Kevin, c'est pas terminé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous cherchez une famille qui n'a rien à voir avec vous? Les catholiques ne croient pas à la réincarnation, n'est-ce pas, mon père? Non, mais ça ne veut pas dire que l'on n'accepte pas quelques miracles. C'est rare, c'est toujours un phénomène. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que l'âme humaine est éternelle. Cependant, personnellement, je ne crois pas qu'elle puisse se réincarner. Il est toutefois possible que, dans des circonstances extraordinaires, une âme tente de s'exprimer à travers une autre. L'esprit de cette femme s'exprime peut-être à travers vous pour retrouver ses enfants. C'est assez loin de la réincarnation, c'est sûr. Disons que c'est plutôt une interprétation. Ça y est, je les ai! Je les ai trouvés, regardez! Les actes de baptême de tous les enfants. Oh. C'est vrai, ce sont les actes de baptême. Les parents étaient John et Mary Sutton. Ils étaient 5 enfants. Phyllis, Elizabeth, Frank, Geoffrey et John Junior. C'est le petit Sonny. Je suis navré, je ne connais pas de Sonny Sutton. Il ne fait pas partie de notre congrégation. Je ne connais pas plus les autres, d'ailleurs.
J'ai prié. Merci. À dimanche prochain. Bonne journée. Il ne viendra pas. Tu es vraiment sûre que c'est Sonny qui a mis ses fleurs sur sa tombe? Je suis sûre que c'est lui. C'est lui, forcément. Dans un sens, j'ai peur de le retrouver. Je ne voudrais pas perturber sa vie avec tout ça. Et si on rentrait à l'hôtel? On réessayera demain, hein? Non, rentre-toi. Je vais rester un moment encore. Monsieur Sutton! Monsieur Sutton! Sonny! Nous nous connaissons? Non. Mais je sais beaucoup de choses sur vous. Sur votre famille, votre mère et votre père. Et aussi sur vos frères et sœurs. Vous connaissez ma famille? Vous viviez près de Sword Road. Vous preniez un bateau pour traverser la baie et aller travailler au champ. Et votre mère vous attendait sur le rivage quand vous reveniez. Quoi? Mais qui êtes-vous? Je suis désolée, Monsieur Sutton. Je m'appelle Jenny Cole. Je viens de Allentown, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et j'ai tout appris sur vous et votre famille à travers mes rêves. Qu'est-ce que vous me chantez? J'avais espéré que nous pourrions en parler. Monsieur Sutton, je vous en prie, je veux juste discuter avec vous, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas discuter avec vous. Oui, je sais que c'est difficile à comprendre, mais je voulais savoir si vous alliez bien, et je voulais savoir pour vos frères et vos sœurs. Je ne sais pas où sont passés mes frères et sœurs, je ne les ai pas vus depuis. Ça doit faire 65 ans. Ah, mais je pensais que vous deviez les... Je ne veux pas savoir ce que vous pensiez, et je ne sais pas qui vous êtes. Et je ne veux pas parler de ma famille avec vous ou avec qui que ce soit. Vous croyez me connaître, mais non, c'est faux. Vous ne me connaissez pas du tout. Je sais que vous avez laissé le lapin s'en aller. Votre mère était enceinte. Vous et Elisabeth l'aviez accompagnée chez le boucher. Brusquement, elle a eu une douleur. Vous vous êtes précipité vers elle et vous lui avez pris la main. Et puis là, une femme a demandé de l'eau. Et quand le boucher l'a apportée, il a dit « Madame O'Neill ». Et votre mère a pris le verre. J'ai pensé que votre famille s'appelait O'Neill. Et comment vous vous rappelez de maman, de moi, de notre vie, comme si vous étiez là? Vous n'y étiez pas. Le père Kelly pense que c'est son âme, enfin son esprit, l'esprit de Mary qui s'exprime à travers moi. Puisque nous avons vos noms, nous allons trouver les autres. Et vous pourrez leur parler, les inviter à venir à Malahide. Non, je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Sonny, attendez! Je ne peux pas les voir. J'ai parlé à Frank. Il arrive demain matin. Il viendra à l'église. Je lui ai aussi parlé de vous. Je parie qu'il n'y croit pas. Non, pas du tout. Mais il veut voir sa famille. Et pour Sonny? Oh, chaque semaine, il fait une heure de route pour venir fleurir la tombe. Mais il ne veut rien savoir du reste. J'ignore pourquoi. Oh, le train est déjà là.
sais, Elisabeth. Bien, si on allait lui dire bonjour. Elisabeth Sutton? Oui. Bonjour, je suis le père Kelly, c'est moi qui vous ai. Oh, ravi de vous rencontrer, mon père. Et voici Madame Cole, la femme dont je vous ai parlé. Oh, c'est un plaisir, Madame Cole. Non, je suis Jenny. Appelez-moi Jenny. Oh, dans ce cas, appelez-moi Bessie. Bonjour, Sunny. Je peux vous parler? Vous vous souvenez de mon père, hein? Oui. Ce sont d'horribles souvenirs. Encore aujourd'hui, je ne peux pas lui pardonner la mort de ma mère. J'avais peur de lui, moi aussi. Ses souvenirs me hantaient. Maintenant, je suis désolée pour lui. C'est vrai, il avait une femme merveilleuse, une famille. Et il ne les a jamais aimés, il n'a jamais partagé leur vie. C'est exactement ce que ma mère lui dirait. Sunny, je suis venue aujourd'hui vous dire que nous avons retrouvé vos frères et sœurs. Je suis navrée, Geoffrey est décédé il y a 10 ans. Nous avons son certificat de décès. Mais les autres sont toujours en vie. Phyllis habite à Wexford depuis quelque temps. Et elle arrivera ici ce soir. Elisabeth est arrivée ce matin par le train de Kilkenny. Quant à Frank, il arrive d'Angleterre demain. On doit tous se retrouver à l'église. Non. Non, 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 Madame Cole. Pourquoi refusez-vous de les voir, Sunny? Après la mort de ma mère, mon père nous a placés tous les 5 comme ouvriers. On travaillait au champ. Les autres étaient trop petits pour ce travail, alors il les battait comme plâtre tous les soirs. Il était toujours saoul, ou bien en colère. Alors un soir, il avait le sommeil très lourd et je suis parti à l'orphelinat. Ils ont pris mes frères et sœurs, mais moi j'étais trop vieux. Oh, Sunny. Je savais qu'ils iraient dans différentes familles. Je savais que je ne les reverrais jamais. Je ne leur ai rien dit en leur faisant mes adieux. Je me suis sauvé. Je les ai laissés là. Oh, je suis revenu quelques années plus tard, honteux de ce que j'avais fait. Et Dublin était tellement grand. Il y avait tellement de monde. Je n'avais pas d'argent et j'ignorais où aller voir. J'ai laissé tomber ma mère. J'ai laissé tomber tout le monde. Elle était désespérée. Elle n'aurait jamais voulu vous imposer ce fardeau. Vous n'aviez pas le choix. J'avais promis que j'allais garder mes frères et sœurs ensemble. Vous avez une chance de tenir cette promesse maintenant. Venez à l'église.
Merci d'être venue me parler, Madame Cole. Père Kelly arrive. Elisabeth est avec lui. Je pense qu'il y a Phyllis aussi. Tu peux aller leur dire... Que tu vas arriver? Oui. Tu verras, tout ira bien, Jane. Tu devrais te calmer, maman. Tu me rends nerveux. Ça va bien se passer. Mary s'est sentie toujours coupable d'avoir laissé les enfants à leur père. De ne plus être là avec eux. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours voulu te garder près de moi. Elle n'a pas eu la chance de les voir grandir. Moi, cette chance, je l'ai eue. Tu devrais aller en Californie, Kevin. En fait, j'avais décidé de ne pas aller en Californie cette année. Je vais m'inscrire dans une fac de la vallée. Comme ça, je pourrais venir les week-ends, pour ma petite sœur, et pour vous aider au magasin. L'an prochain, on verra. C'est comme tu veux. Je le sais. En route. Dieu, est-ce que c'est Franck? Je pense que c'est lui. Oui. Allez, viens. Phyllis, Elisabeth, après toutes ces années, je ne pensais jamais vous voir. Vous avez fait une bonne action, Jenny. Que soit votre motivation, vous avez fait une bonne action. La ferme de McConnell est juste de l'autre côté de la baie. J'ai commencé à y travailler, j'avais à peine 9 ans. Je me souviens encore que maman venait nous attendre ici, le soir quand on retraversait la baie.
Merci de nous avoir trouvés. Merci de nous avoir réunis. Oh. Ces deux derniers jours, j'ai compris que tous les souvenirs ne sont pas douloureux. Je me rappelle que parfois, avant le travail, maman et moi, on partait en bateau dans la baie. Juste tous les deux, tout seuls, sur l'eau claire. Le soleil montait là-bas. Ah, c'était merveilleux. C'était magnifique. Et vous, vous vous souvenez de ça, Jenny? Oh oui. Je serai grand, maman. Quel genre d'homme je vais devenir? Si tu n'as pas appris à faire le mal, je pense que tu ne le feras jamais. L'enfant que tu es, tu le resteras en devenant un homme. Et je sais que le petit homme que tu es maintenant deviendra un homme bon, tendre et aimant. Un homme qui aimera tout le monde et que tout le monde aimera. Je t'aime de tout mon cœur. Et je t'aimerai toujours. Alors, tu as pris ta décision? C'est peut-être Penn State ou c'est Bloomsburg. Bloomsburg. Pourquoi? C'est plus près, tu seras là plus vite le week-end pour nous aider. Oh, Doug. Oh, voilà mon petit ange. Bonjour, ma chérie. Oh, quel amour, le temps adorable. Kevin, tu t'en occupes vraiment bien. Tiens, il faut que je file. Oh. Au revoir, maman. Bisous, chérie, au revoir. Au revoir, grand-mère. À bientôt. Au revoir. Salut. Celle-là est pour toi. Ah. Prends Allison. Bonjour, ma poupée. Mmh. Oh. Elle est de plus en plus belle. Hein? Hein, oui, elle est jolie. Vous avez vu les parents? Ma chère Jenny, j'ai reçu les photos d'Allison au courrier ce matin. Félicitations, c'est un bébé absolument magnifique. J'ai hâte de la rencontrer et j'attends avec impatience votre visite en Irlande l'été prochain. Frank, Bessie et Phyllis vont aussi essayer de venir. Et je suis sûr que cette fois, ils viendront avec leur famille. Je suis tellement heureux de faire partie de votre vie, Jenny. Je vous ai perdu une fois quand j'étais enfant. Je ne veux pas vous perdre à nouveau. Je vous ai joint une photo. Je l'ai retrouvée dans un vieux livre que je n'avais pas ouvert depuis des années. C'est ma mère. J'ai eu envie de vous la donner. Répondez-moi vite, Sonny.